Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Nous sommes ensemble pour une nouvelle émission avec, je le disais, un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement dense de cette semaine essentiellement politique. Alors cet invité du jour, il est politologue, essayiste, chroniqueur, il est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences politiques. Il a été collaborateur de Charles Pasqua et a soutenu Jean-Pierre Chevènement lors de sa campagne en 2002. Actuellement directeur général d'une école de commerce, il se présente comme gaulliste de gauche, comme on pouvait le lire jusqu'à encore peu sur sa biographie Twitter. Fin observateur de la vie politique, il s'est intéressé autant au séparatisme des banlieues travaillées par l'islamisme qu'aux gilets jaunes. Son visage est désormais bien connu des téléspectateurs de CNews. On est ravis de l'accueillir dans Les Incorrectibles. Guillaume Bigot, bonsoir. Bonsoir Eric Morillot. Alors, cher Guillaume Bigot, on est vraiment ravis de vous recevoir donc au lendemain, enfin c'était dimanche dernier, du premier tour de cette élection présidentielle qui n'a pas manqué de surprise, et à la veille donc de ce second tour qui, tout le monde le sait désormais, opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Cette campagne présidentielle a quand même été très particulière, puisque marquée par la crise en Ukraine et surtout par la non-campagne du président de la République qui n'a sans doute pas permis au processus démocratique de se déployer comme il aurait dû. Alors les chiffres de l'abstention atteignent désormais des sommets pour une élection présidentielle. Vous pouvez les rappeler d'ailleurs peut-être, Guillaume ? Oui, plus de 12 millions, presque 13 millions, c'est quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est la première formation politique en creux en fait de France, c'est l'abstention. Alors qu'est-ce que cela dit, cher Guillaume Bigot, de l'état de notre système démocratique ? Il y a une mue qui est en train de s'opérer et qui n'est pas encore arrivée jusqu'à son terme. Alors il y a deux lectures en fait de cette abstention massive, mouse costaud, soit finalement que chacun cultive son jardin et se détourne, je dirais, des affaires publiques, soit au contraire qu'il s'agirait d'une abstention, je dirais, presque civique, c'est-à-dire par respect des institutions, par respect de la chose publique. Les citoyens ne veulent plus participer à une sorte de mascarade. Donc il y a deux lectures possibles. Peut-être que les deux se combinent parce qu'il y a une abstention, disons, un peu paresseuse et il y a une abstention un peu plus coléreuse et vindicative. Je pense à cette formule qu'on ressort souvent, c'est un peu fait partie des Pontosanes, mal nommer les choses, Camus, etc. Bon, on cite souvent Gramsci, Antonio Gramsci, et je pense que c'est très adapté à la scène politique française, c'est-à-dire le nouveau monde n'est plus là, il se fait directement allusion à la qualification de nouveau monde par Emmanuel Macron, et l'ancien monde n'est plus là, pardon, et le nouveau monde peine à surgir, autant pour moi. Et donc on est dans cet entre-deux, et Gramsci dit, et c'est dans cet entre-deux que des monstres surgissent. Alors on peut considérer que l'abstention, elle est monstrueuse, c'est un monstre. D'aucuns considéreraient que Marine Le Pen, qui a priori vient de la droite, est traitée de socialo-communiste par Éric Zemmour, c'est un monstre. D'aucuns considèrent aussi que Éric Zemmour lui-même est un monstre, que Jean-Luc Mélenchon, finalement sénateur socialiste très gauche caviar qui a voté pour Maastricht et qui aujourd'hui, enfin qui avait entonné, disons, le refrain du souverainisme de gauche en 2017 pour ensuite s'abîmer dans quelque chose qui ressemble vraiment quand même à de l'islamo-gauchisme, est un monstre aussi, etc., etc. Donc les monstres sont assez nombreux et évidemment le premier d'entre eux, c'est Emmanuel Macron. Mais moi je pense que Emmanuel Macron n'est pas tant un monstre que la première figure à peu près structurée et qui tient à peu près debout, qui tient à peu près la route sur le plan politique de cette nouvelle recomposition. Et en fait, pour voir clair, à mon avis, dans l'actualité tout de suite et maintenant de ce premier tour, enfin de tirer des enseignements de ce premier tour, il faut peut-être moins rester le nez collé sur la vitre des résultats, y compris pour comprendre l'abstention d'ailleurs, que de regarder les choses de haut et de loin. Alors justement, restons un instant sur cette abstention. D'abord, comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt croissant pour la politique, on va dire, électoraliste ? En fait, c'est un problème, je disais, de haut et de loin. Il y a effectivement la lecture classique consistant à dire on a une américanisation de notre société. Et effectivement, disons, l'alternance aux États-Unis, elle n'est pas. Alors, elle a été colorée par la figure d'un Donald Trump qui a mis beaucoup d'hystérie
Et beaucoup de tensions. Mais d'ailleurs, il faut, quand on regarde de près, on se rend compte que c'est plutôt la personnalité, les outrances verbales de Donald Trump. En réalité, la politique d'un État est toujours dans sa géographie. La politique de Donald Trump n'est pas très différente de celle d'Obama. Et la politique de Biden n'est pas si différente de celle de Donald Trump. Bon. Donc en fait, aux États-Unis, il y a quand même une alternance extrêmement triste ou nette entre Pepsi-Cola et Coca-Cola, enfin le Parti démocrate et le Parti républicain. Donc cette américanisation de nos mœurs et de nos mœurs politiques font que finalement, on peut changer, si vous voulez, le visage des politiciens, mais on ne peut plus changer de politique. Alors, l'alternance, pardon de vous interrompre, elle n'est plus vraiment comme aux États-Unis où il y avait tout le temps démocrate républicain. Nous, on avait toujours LRPS et c'est devenu mondialiste souverainiste, hein, c'est ça. Alors oui, mais sauf. Clivage. Alors ça, c'est une lecture intéressante parce qu'effectivement, je dirais la transformation de cet axe droite-gauche. Disons RPR ou LR avec les différents noms et Parti Socialiste en un bloc souverainiste, un bloc mondialiste, un bloc élitaire, un bloc populaire n'est pas arrivé jusqu'à son terme. Et je pense que seul Emmanuel Macron a vraiment tiré toutes les conséquences de cette entrée dans le 21e siècle électoral et a constitué une force politique qui est une force politique qui n'est plus vraiment un parti de militants. On a totalement oublié ça, mais la notion même de parti, c'est inventé par le Parti communiste. C'est le Parti communiste qui invente la notion de parti, et si tous les partis s'appellent parti, le fameux centralisme démocratique, c'est que les communistes avaient pensé la prise du pouvoir de manière quasi militaire. Et donc il fallait un état-major, il fallait que les gens obéissent à une chaîne de commandement hiérarchique, et il fallait aussi dissimuler un peu ses desseins. Et tous les partis, les plus démocrates, les plus à droite, etc., ont copié ça. Au 19e siècle, quand le parlementarisme a été lancé, il y avait des sensibilités, disons, il y avait une opposition, une majorité, la fameuse droite et gauche qui est née autour du veto, la thématique du veto du roi, ceux qui étaient pour le veto du roi, donc pour limiter un peu le pouvoir des parlementaires étaient à droite de l'hémicycle et ceux qui étaient contre le veto du roi étaient à gauche. Et ensuite, il y a eu la question de la mort du roi qui a vraiment structuré droite-gauche. Ça, c'est tout le 19e siècle. Il y a un combat entre des gens qui sont monarchistes, qui sont pour un pouvoir vertical, un pouvoir exécutif fort, et des gens qui sont pour un pouvoir parlementaire, la représentation, la vox populi à travers l'élection, à travers les représentants du peuple, et ceux-là se disent de gauche. Alors donc la gauche et la droite, c'est ça pendant tout un siècle. Et puis ensuite, on continue à jouer monarchiste contre républicain, mais en fait, après 1877, grosso modo, c'est un clivage qui va mourir. Pourquoi ? Parce que il y a un nouveau monde qui est en train de naître. C'est le monde du socialisme, c'est le monde du capitalisme, c'est autour de la révolution industrielle. Et en fait, vous avez un nouveau clivage qui va tarder en fait à se mettre en place, qui oppose des gens qui sont des partisans de la propriété privée, les capitalistes, et des gens qui sont pour le partage, disons, le partage tout court, le partage des biens de production. Et ça ne va vraiment advenir que, on va dire, en France, par exemple, les années 20, avec la scission des socialistes en socialistes communistes, par exemple, la révolution de 1917, c'est une bonne frontière, un bon marqueur chronologique, et ça va structurer tout le 20e siècle. Donc la gauche et la droite, c'est des gens qui sont plutôt du côté des partageux et des gens qui sont du côté du capitalisme, des gens qui sont du côté de l'argent, enfin c'est la thématique de la lutte des classes. Et vous voyez bien que cette thématique de la lutte des classes n'est plus la même thématique que républicain monarchiste. En fait, les républicains ont gagné par chaos, il n'y a plus de monarchistes en fait. Et donc cette thématique droite-gauche, elle va se restructurer autour d'un nouvel axe. Eh bien, moi je propose aux gens qui nous écoutent de réfléchir à ça. Depuis 1991, il n'y a plus de contestation du capitalisme, de la notion de propriété. Regardez la Chine, en Chine ils sont favorables à la propriété. J'avais moi-même demandé à des caciques du Parti communiste chinois, mais comment faites-vous ? Vous vous prétendez communiste et il y a énormément de milliardaires dans votre pays. Ils me disent, écoutez, c'est très simple, M. Bigot, à chaque fois qu'il y a un milliardaire, on l'oblige à adhérer au Parti communiste. Donc en fait, vous voyez bien que c'est un Parti communiste qui n'en a que le nom. Et à part la Corée du Nord et à part Cuba, il n'y a plus d'endroit qui soit communiste, si vous voulez. Et Mélenchon lui-même n'est pas contre la propriété des moyens de production, il n'est pas pour le socialisme en vérité, c'est autre chose. Donc l'axe droite-gauche, depuis 1991, chute du mur de Berlin, chute de l'Union soviétique, il tourne à vide. Autrement dit, les gens qui se réclament de la droite et de la gauche jouent aux cow-boys et aux indiens. On aurait dit que tu serais de gauche, on aurait dit que je serais de droite, et on fait semblant à jouer à la droite et à la gauche. Et en 92, au moment du traité de Maastricht, vous étiez trop jeune, moi j'étais gamin aussi, mais grosso modo, on a senti que pour la première fois depuis longtemps, à nouveau la vie politique reprenait des couleurs, à nouveau il y avait de la sève dans le tronc, il y avait quelque chose qui se passait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui étaient contre l'Union européenne d'un côté, ou la construction européenne, contre le déplacement du pouvoir de Paris à Bruxelles, mais ça correspondait
correspondait, ce déplacement, à la mondialisation. Ça correspondait un peu au gouvernement des juges. Ça correspondait au fait de vouloir contrôler les frontières et donc l'immigration. Ça correspondait au fait de s'opposer, disons, à une mondialisation de plus en plus sauvage. Et ça, ce clivage s'est renouvelé à nouveau en 2005 autour de la question du traité européen. Et donc, c'est vraiment, à mon avis, la structuration du débat doit se réaliser autour de la question européenne. Tant que ça n'est pas... que le mécanisme ne s'est pas n'a pas fait reboot, comme on dirait en informatique, autour de la question européenne, ça tournera à vide. Et donc vous avez un Mélenchon qui fait comme s'il était de gauche, qui joue à la gauche, mais ça marche pas très bien, en fait, c'est une espèce de nostalgie. Et en réalité, quand on regarde de près, il y a plus des thématiques écologiques, il y a plus des thématiques « je veux de la mondialisation culturelle, mais je refuse la mondialisation économique ». Autrement dit, « je veux des migrants, mais je ne veux pas que les capitaux circulent ». Mais en fait, c'est complètement illogique et incohérent, parce que si vous ne voulez pas de réchauffement climatique, et si vous ne voulez pas que les mouvements de capitaux ferment vos usines, et si vous voulez relocaliser, je ne vois pas très bien pourquoi vous accueillez des migrants, en fait, c'est complètement incohérent. C'est un complémentaire, si vous voulez, la circulation des capitaux et la circulation des migrants, c'est un complémentaire par rapport à un. Donc Mélenchon est un nostalgique de la gauche, c'est un homme des années 80-90, il vit dans le passé, ça n'imprime plus tellement, plus très bien, et ça vit sur une nostalgie, et Éric Zemmour, il essaye de la même façon de refabriquer de la droite, alors que cette droite, elle repose sur du vide. Cher Guillaume, on va revenir plus en détail, bien sûr, au résultat de cette élection. Juste pour clore cette réflexion, vous avez donc sur l'abstention. Il y en a beaucoup qui disent que l'élection pourrait désormais être entachée d'une certaine forme d'illégitimité démocratique. C'est la première chose, j'aimerais vous faire agir là-dessus. Et ensuite, quelles raisons pourraient apporter, pour motiver les gens à revenir aux urnes et mettre fin à cette crise de la démocratie qui s'installe maintenant depuis quoi, plus de 30 ans ? Oui, depuis plus de 30 ans. Ah, ça, c'est un problème donc, qui est… – Donc, l'illégitimité démocratique que certains évoquent, elle est fondée ou pas selon vous ? C'est vrai que si on s'en réfère qu'au premier tour, aussi bien en 2017, Macron, pardon, n'avait obtenu que 24%, donc on peut dire que finalement… Il y a une forme de représentativité qui est entachée quand même. Exactement. Si vous avez une lecture, disons, macroneuse ou favorable aux classes dirigeantes, donc favorable à la construction européenne de l'abstention, vous dites que dans notre camp, et ce qui est vrai, les gens votent, les gens se mobilisent. Voilà. Donc il y a relativement… Dans le camp des souverainistes et ça… Non, dans le camp des mondialistes. Ah, d'accord. Et les gens, il y a très peu d'abstention. Vous voulez dire à la place de Macron. Exactement. Et donc il y a un regard qui est porté sur… ce qu'ils appellent le populisme, en fait, c'est-à-dire les classes populaires, les gens qui ont des difficultés, etc., en disant « mais ces gens-là, de toute façon, ne sont pas sérieux, ils ne vont pas voter, quand on leur donne rendez-vous, ils ne sont pas là, donc de quoi se plaignent-ils, puisque finalement, ils ne votent pas ?» Donc ça, c'est la lecture qui est la lecture, disons, de un peu de la classe dirigeante, et de ceux qui suivent la classe dirigeante, qui sont un gros socle de 30% du corps électoral, 25 à 30% du corps électoral. Donc c'est un tiers. Donc c'est pas négligeable, on parle tout le temps des 1%, les 1% qui font la mondialisation. Mais en fait, les 1% ne seraient rien s'ils n'avaient pas les 30% parmi eux. Et le paradoxe, c'est que ces gens-là, ils défendent l'idée de démocratie en disant « regardez, nous on joue le jeu démocratique, nous on va voter. Vous, vous n'allez pas voter ou vous divisez. » Mais effectivement, je reprends cette question de la légitimité. Le problème de la légitimité est entièrement posé parce que vous pouvez pas avoir un tiers du corps électoral qui dirige non pas tout seul, mais qui dirige contre la volonté des deux tiers. Et les deux tiers, ils se répartissent en un côté Mélenchon, de l'autre Éric Zemmour, Marine Le Pen, mais aussi, n'oublions pas, ce troisième bloc, qui est constitué des abstentionnistes. Donc si vous additionnez les abstentionnistes, vous additionnez les voix pour Marine Le Pen, Éric Zemmour et autres poussières souverainistes, et que vous additionnez les voix de Jean-Luc Mélenchon, vous avez des gens qui sont carrément hostile au projet politique qui est porté par 25 à 30% du corps électoral. Donc bien sûr que vous avez un problème de légitimité. Mais c'est un problème de légitimité très paradoxal. C'est pour ça que je pense que le fait qu'Emmanuel Macron, lui, ait pensé le monde nouveau, il arrive à avoir une assise électorale en face. Il continue à jouer un peu aux Indiens et aux cow-boys à la gauche et à la droite, et donc ça n'imprime plus. Ils font du vélo d'appartement, ça tourne à vide. De plus, non seulement ça n'est pas un projet très enthousiasmant, c'est tout empreint de nostalgie. Et le philosophe le dit très vite, très clairement, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc quand Éric Zemmour veut revenir à la France des années 80, c'est extrêmement sympathique, mais sauf qu'on sait bien que ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, le président Macron lui a répondu de manière assez juste, assez féroce, mais assez juste. C'est juste aussi, pardon, en lui disant que, la nostalgie, ça fait pas finalement une politique. Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose. Et
Mais Marine Le Pen, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une sorte d'intuition, elle a plus d'intuition politique que Jean-Luc Mélenchon et qu'Éric Zemmour, et elle a compris qu'il faut marcher sur deux jambes quand on essaie de contester le paradigme de la classe dirigeante ou du mondialisme, de l'euro-mondialisme. Elle a compris qu'il y avait d'un côté une dimension sociale, économique, et de l'autre une dimension identitaire et régalienne autour de l'immigration, et que le tout faisait sens. Mais je pense que ça n'a pas été suffisamment loin pour articuler un projet qui ne serait pas un projet négatif, qui ne serait pas un projet défensif, mais qui serait un projet, lui, offensif. En disant, en répondant à Macron et aux mondialistes, la question n'est pas de savoir si ce que nous proposons, nous, est viable. La question, c'est ce que vous proposez, vous, de toute façon, n'est pas viable. Rembourser la dette, c'est une ruine totale. Continuer l'immigration de masse, c'est assurément la guerre civile. Et enfin, l'effacement de la France dans une espèce de dilution otanesque, évidemment, c'est extrêmement dangereux, même pour l'équilibre en Europe. – Alors, cher Guillaume Bigot, on va justement entrer à présent dans le vif du sujet. Donc, on arrive donc bientôt au terme de cette élection présidentielle, donc avant ce second tour qui donc réserve pour beaucoup, en tout cas, beaucoup d'inquiétudes et peut-être pour d'autres beaucoup d'espoir aussi. Vous qui êtes un observateur averti, un commentateur, un analyste, un éditorialiste de cette vie politique française, notamment, je le rappelais, sur CNews. Quel bilan vous faites donc de cette élection présidentielle, de cette campagne en tout cas, de cette, on va dire, ce premier tour? Elle est vraiment. D'abord, est-ce qu'il vous a surpris? Est-ce que le résultat de ce premier tour vous a surpris? Non. Non, pas tant que ça. Les résultats ont été très serrés, on les rappelle. Donc Macron dans à plus d'un million 600 000 voix de Marine Le Pen. Marine Le Pen a à peine 400 000 voix d'avance sur Jean-Luc Mélenchon. Il s'en est fallu de peu hein, pour que ce soit un duel Macron-Mélenchon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a trois blocs, en tout cas, aujourd'hui. Il y a complètement trois blocs. LR et LPS sont complètement Il y a quelque chose de très frappant, c'est aussi la répartition. La répartition par catégorie sociale, elle est moins évidente que ça. Parce que, vous voyez, par exemple, Jean-Luc Mélenchon prétend défendre les petits, les sans-grades et être la gauche. Mais en réalité, quand on regarde son électorat, on se rend compte que c'est l'alliance des bobos des centres-villes et de l'islamo-racaille, quoi, grosso modo, en fait. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme une sorte de grand écart qui est curieux, qui interroge un peu sur le plan sociologique. On ne peut pas dire que ce soit vraiment les petites gens contre les nantis. C'est le discours, parce qu'il a cette nostalgie de la gauche. Donc ça, enfin, il fait quand même 22% à l'arrivée, près de 22%. Il est puissant, il est arrivé à capter. Bon. Mais je pense que le dénominateur commun, c'est davantage la géographie, effectivement, plus que la catégorie sociale, et surtout les classes d'âge. Il a vraiment fait un rapt, il a fait une OPA sur la jeunesse. Enfin, il a quand même capté énormément de jeunes, et il a capté, disons, les banlieues et les centres-villes. Ça, enfin, pas tout seul, hein, mais largement. Ensuite, Emmanuel Macron. Là, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que c'est pas du tout la Startup Nation, c'est vraiment l'EHPAD Nation. C'est vraiment un vote très âgé. C'est vraiment les 68ards. Moi, j'aime beaucoup mon ami André Bercoff, mais André Bercoff, je remarque qu'il a le costume du 68ard. C'est-à-dire, le 68ard, vous pouvez le reconnaître, bien sûr, à son âge, mais aussi au fait qu'il a un costume et généralement un t-shirt en dessous. Ça, c'est vraiment caractéristique du 68ard. Et le 68ard. C'est vrai qu'André Bercoff ait voté Jean-Luc Mélenchon. Alors, non, mais André Bercoff, c'est l'exception qui confirme la règle. André Bercoff, c'est le plus sympathique et le plus intelligent des 68ards. Voilà, il est fantastique, il est formidable, il est plein de verve, plein de. Et c'est quelqu'un qui pense par lui-même. Donc, il a échappé à son déterminisme d'âge. Et pourquoi vous me parlez d'André Bercoff là-bas? Alors, je vous parle surtout des 68ards. Je pense que les 68ards, c'est vraiment le vote Emmanuel Macron. C'est des gens qui ont emprunté quand il y avait de l'inflation, qui ensuite, quand ils avaient du capital, des biens, ont vu l'élévation du prix du mètre carré, mais aussi ont vu leur PEA, leurs assurances vie ultra dopées par zéro inflation, des taux d'intérêt énormes, la mondialisation, ils se sont goinfrés et ensuite ils ont cassé les pieds pour pas mourir, pour avoir un peu de rab avec leur passe sanitaire. Et donc grosso modo, leur truc à eux, bien sûr, c'est Emmanuel Macron qui représente le statu quo, qui représente encore 5 minutes Monsieur le Bourreau. Ensuite, on a un troisième, effectivement, un troisième pôle, et là, pour le coup, on est dans la France périphérique, on est dans la France un peu grand brûlé de la mondialisation. On peut considérer que l'immigration... La France orange mécanique de Laurent Berson? Un peu, bien sûr. Et d'ailleurs, cette France orange mécanique, c'est curieux parce qu'Éric Zemmour expliquait à qui voulait l'entendre que finalement son électorat, c'était plutôt des cadres souverainistes versus des ouvriers ou des employés souverainistes qui votaient pour Marine Le Pen. Mais en regardant les résultats, je me suis rendu compte qu'il y a quasiment deux fois plus d'ouvriers et d'employés qui votent pour Éric Zemmour, qui ont voté pour Éric Zemmour au premier tour, qu'il n'y avait de cadres.
Donc en fait, vous voyez, cette thématique de la France orange mécanique, elle touche d'abord de plein fouet. Ceux qui s'en prennent à la tête sont ceux qui sont au contact de ce qui est encore dans la vulgate considéré comme alias des chances pour la France, qu'il ne faut surtout pas ranger dans une même catégorie, parce que tous les enfants d'immigration ne sont pas des dangers pour la France, mais effectivement, une partie d'entre eux le sont, et c'est très clair maintenant. Donc en réalité, on voit bien qu'il y a géographiquement cette France des employés, des ouvriers qui est au contact de l'immigration et qui est grand brûlé de la mondialisation. Ça, c'est l'électorat, disons, Zemmour-Le Pen. On a les bobos, les enfants des bobos et les enfants d'immigration qui veulent finalement une espèce de mondialisation culturelle, les thématiques de la lutte contre le réchauffement climatique, mais qui ne veulent plus de la mondialisation économique. Et on a enfin les gens âgés, les 68ards, les gens qui sont retraités, qui votent quasiment comme un seul homme pour Emmanuel Macron. Enfin, je dois dire qu'André Bercow vote pour Emmanuel Macron. Il y a des exceptions à toutes les règles. Au contraire, André Bercow, lui, c'est quelqu'un qui pense par lui-même, donc il n'est pas déterminé par son âge ou par sa catégorie sociale. Alors, si on fait un peu d'arithmétique aujourd'hui, donc Marine Le Pen, plus Éric Zemmour, ça fait à peu près 30%. À vous qui êtes, un fin politologue, elles sont où les réserves de Marine Le Pen? Puisqu'il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits au soir d'ailleurs de ce premier tour, qui indiquaient même que Marine Le Pen était à 49%, Emmanuel Macron, et lapsus, j'en perds mon latin, Emmanuel Macron à 51%. Elles sont où les réserves de Marine Le Pen? Est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de remporter cette élection présidentielle? Je donnerais ces chances à 3 chances sur 10 à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas inexistant. Alors, c'est jamais plié parce que dans ce domaine-là, peuvent survenir des événements qui sont imprévisibles à l'heure où on parle et qui pourraient vraiment changer la donne. Le débat va y être pour... Le débat est un facteur déterminant, va être effectivement déterminant et va maximiser ses plus qu'un trou de souris. Mais enfin bon, c'est évidemment, vous faisiez allusion à l'arithmétique électorale à juste titre. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a quand même un écart au lendemain du premier tour, il y a un écart important, très important, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a plus de 1,6 million de voix d'écart entre les deux. Tandis qu'entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a 600 000 voix d'écart. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout la même proportion. On dit qu'un tiers de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pourrait se reporter en dépit donc de l'annonce le soir du premier tour, pas une voix doit aller à Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, décidément. Les sondeurs, les observateurs disent qu'un tiers, malgré tout, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon pourrait ne pas suivre la consigne donc un tiers de Jean-Luc même, Mélenchon peut-être et se même reporter plus, sur Marine Le Pen. Ça va être la véritable inconnue. Disons que ça aurait maximisé. Des abstentionnistes. Bien sûr. Alors ça, c'est le premier parti. Mais ce qui aurait maximisé les chances de Marine Le Pen, c'est que Jean-Luc Mélenchon adopte la même attitude qu'en 2017, mais comme je pense que c'est sa dernière élection et que malgré tout c'est un organe témoin du XXe siècle et du clivage droite-gauche du XXe siècle et qu'il a très peur qu'on dise de lui qu'il a été responsable de l'élection de Marine Le Pen, c'est-à-dire dans son logiciel à lui de l'extrême droite, qui à mon avis rien à voir avec l'extrême droite, mais qu'importe, évidemment, il a tenu d'une certaine façon c'est un peu son testament politique. Et il voulait qu'il n'y ait pas de rature sur son testament politique, en quelque sorte. C'est ça, sa logique. Voilà, mais vous pensez que c'est le testament politique 2022 de Jean-Luc Mélenchon? Il l'a dit très clairement, dans un très beau discours d'ailleurs, parce que malheureusement, cet homme est armé du verbe. Il a beau être tout à fait crapuleux sur le plan électoral, il fait vraiment penser. Alors, sans arrêt, il y a le point Goodwin contre Marine Le Pen, contre Éric Zemmour, avec ce nouveau concept, ce concept très innovant de nazisme juif dont j'avais jamais entendu parler, mais apparemment Éric Zemmour avait des nazis dans son parti, bon passons. Donc on a bien compris, c'est ce que Lionel Jospin appelait déjà la kermesse ou l'antifascisme de kermesse. Enfin, c'est quelque chose de totalement faux, qui sonne absolument faux, de se projeter en permanence dans les années 20, dans les années 30. Ce terme d'extrême droite, d'ailleurs, Marine Le Pen s'en est souvent défendue. Elle ne veut pas qu'on lui attribue ce qualificatif. Il a perdu tout sens parce que finalement, il a été dévoyé, ce qualificatif. Exactement. Le père de Marine Le Pen était, disons, OAS.
Jean-Marie Le Pen, non ? Exactement, Jean-Marie Le Pen, OAS, et dans l'OAS, je rappelle qu'il y avait y compris des compagnons de route du général de Gaulle, il y avait des gens qui venaient de la gauche, enfin, celui qui avait réprimé le plus férocement le FLN, c'était quand même François Mitterrand, donc il y avait des gens qui venaient de partout dans cette cause de l'Algérie française. Ça a été la matrice de Jean-Marie Le Pen, plus un peu de ce qu'on appelle le poujadisme, quoi. C'est-à-dire un peu du populisme, pour le coup, c'était un véritable populisme, des boutiquiers, des gens qui estimaient payer trop d'impôts. Donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui des courants historiques en France politiques qui sont vraiment l'extrême droite, enfin, c'est-à-dire l'extrême droite monarchiste avec l'Action française et ensuite l'extrême droite justement de Doriot. Alors on va faire un petit point Goodwin à l'envers. Doriot, qui était Doriot? D'abord, vous pouvez regarder physiquement, il y a une ressemblance étonnante avec Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle qu'une grosse partie de la collaboration la plus active, la plus nazie, enfin, parce que la collaboration n'a pas été totalement nazie, elle a été minable, elle a été indigne pour la France et criminelle dans sa coopération avec un régime criminel qui était le régime nazi, mais elle n'était pas complètement convaincue par l'idéologie nazie. Il y avait beaucoup de gens réactionnaires, justement des monarchistes, etc. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de centristes, de gens de gauche, de gens de centre-gauche, de centre-droit. En fait, grosso modo, ça ressemblait un peu finalement au macronisme, cette collaboration à Paris. Mais et surtout la collaboration à Vichy. Et la collaboration à Paris, les gens qui étaient les plus enragés disons en faveur d'Hitler et qui avaient adopté l'idéologie hitlérienne, c'était des gens qui venaient de l'extrême gauche. Alors notamment le fameux Jacques Doriot, qui était lui aussi un orateur absolument brillant, remarquable, qui était un intellectuel et qui malheureusement s'est complètement abîmé dans le nazisme. Et comme s'il y avait vraiment une espèce de passion de se coucher aux pieds des gens qui font couler le sang des Français et qui ont un projet d'agression violente. Aujourd'hui, évidemment, la comparaison n'est pas raison, le nazisme, Dieu merci, est mort, mais la seule idéologie de conquête violente qui veut couper la tête des gens et qui massacre comme la Shoah par balle au Bataclan, on sait de quelle idéologie il s'agit, c'est de l'islamisme. Donc toute espèce de compromis avec cette idéologie, effectivement, c'est bien la seule chose qui pourrait nous ramener aux heures de la collaboration. Donc effectivement, il y a quand même une indignité nationale de Jean-Luc Mélenchon qui se comporte effectivement comme Doriot, c'est-à-dire qu'il a un discours qui n'est pas très clair à l'égard des islamistes dans un climat où le sang malheureusement a déjà coulé et pourrait couler à nouveau. Et ça, c'est vraiment horrible pour quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a quand même qui fait plutôt honneur à l'art oratoire politique et qui a une grande culture. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il entraîne pas mal de gens dans son erreur. Et le tout, même pas par adhésion finalement je pense qu'il n'y a aucun rapport entre Jean-Luc Mélenchon et l'islamisme, mais par contre, c'est vraiment du calcul de boutiquier politique. Enfin, ça, c'est vraiment de l'électoralisme. Et un électoralisme dont je dois dire qu'il était assez, qu'il avait le nez creux. C'est assez vrai. Quand vous regardez le vote de certaines villes du 93, vous vous rendez compte qu'en fait, il a fait son petit calcul sur sa petite addition sur sa petite table. Alors donc, aujourd'hui, comme il ne veut pas appeler à voter contre Emmanuel Macron, il a déjà, d'une certaine façon, un peu perdu sa virginité politique. – Alors, vous parliez justement d'islamisme, arrêtons-nous un instant sur le score d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, d'ailleurs, qu'on recevait la semaine dernière dans cette émission. Alors, il y a quand même un paradoxe, parce que Éric Zemmour, sur Internet, les audiences télé étaient exceptionnelles, à chaque fois c'était un carton d'audience, et puis on a vu finalement que dans les urnes, ça s'est pas transformé comme il l'espérait. Comment vous expliquez, comment vous analysez cette déconnexion entre finalement les attentes qu'on pouvait avoir donc du score d'Éric Zemmour et puis au final à l'arrivée 7% quoi. Parce que je pense qu'il a il y avait une véritable ferveur, le personnage est extrêmement talentueux et la force du militantisme, la force des gens qui sont très convaincus, notamment par des positions. Les thèmes qu'il défendait étaient soi-disant majoritaires, en tout cas dans beaucoup de sondages, ils étaient parmi les 4-5 sujets de préoccupation majeurs des Français. Et à l'arrivée, c'est étonnant quand même, l'immigration, l'insécurité, c'était ses thèmes de prédilection.
Mais quand peut-être. Vous êtes persuadé d'une vérité et que vous sentez assez isolé, enfin, vous avez l'impression d'être seul contre tous, de détenir une vérité et d'être quelqu'un de normal enfermé dans un hôpital de fous où tout le monde ne comprend pas ce qui se passe et ne comprend pas le danger. Si quelqu'un fait sortir d'une certaine façon de l'isolement et de l'anonymat cette vérité, tout le monde va s'agréger autour de lui et il va y avoir un phénomène, je ne dis pas sectaire, il ne faut pas exagérer parce que ce n'est pas une secte, ils ont 7 millions quand même, c'est très... Ils sont 7%, excusez-moi. 2 millions. 7% et 2 millions, donc ils sont très nombreux. Mais grosso modo, ils sont d'autant plus... Il y a d'autant plus de ferveur qu'ils se sentent isolés. Et il y a d'autant plus de dureté dans leurs propos et dans leur discours, que c'est un peu eux contre le monde entier, mais contre le reste de la France. Et quelles sont les erreurs qu'il a commises selon vous, Guillaume Bigot? Je pense que c'est un peu, ça serait un peu miteux il a déjà eu le courage d'y aller, donc c'est éminemment respectable. Il a réussi une mue absolument incroyable d'éditorialiste en homme politique. Il est resté tout à fait sincère et fidèle à ses convictions. Sans faire de démagogie. Vous croyez qu'il va poursuivre cette carrière d'homme politique? Je vois pas, en tout cas, revenir à la case départ. Oui, la mue est opérée. Non, en fait, l'erreur centrale, c'est une erreur qui est symétrique celle de Mélenchon. C'est-à-dire que il a continué à croire à la droite, comme Mélenchon continue à croire à la gauche. Il va occuper l'espace laissé vacant par les LR. C'est quoi l'espace politique d'Éric Zemmour? Non, son espace est en réalité très limité parce que les LR, on a vu, il en reste très peu. Le paradoxe, c'est que la Valérie Pécresse, c'était justement quelqu'un qui portait une ligne proche d'Emmanuel Macron. Et donc, on peut considérer que les quelques LR indécrottables qui étaient un peu plus, disons... Éric Ciotti qu'Emmanuel Macron, ils ont peut-être continué à voter LR, mais vous voyez, il en reste plus grand-chose. Les autres ont voté directement, ils ont préféré l'original Macron à la copie Pécresse. Donc, comme finalement, certains ont peut-être préféré l'original Le Pen à la copie Zemmour. Oui et non, parce que je pense que Zemmour, et c'est un deuxième... la première erreur, c'est qu'il a essayé de faire la droite et la gauche, enfin de continuer la gauche et la droite... version 20e siècle, et nous sommes au 21e siècle, donc à mon avis ça n'imprime plus, c'est du vélo d'appartement. Et deuxième chose, le deuxième problème, c'est qu'il a essayé, c'était sa tactique de départ, elle était potentiellement gagnante et intelligente, de faire un pont entre LR et le RN. Ce qui voulait dire que LR allait tenir le choc. Ce qu'on a vu qui n'était pas le cas, puisque finalement, Macron, qui avait disrupté le PS en 2017, cette fois-ci a disrupté LR. Donc ce phénomène de recomposition est allé quasiment jusqu'à son terme. Il ne reste quasiment plus rien des partis ex-gouvernement. Mais enfin, grosso modo, si on partait de l'hypothèse qu'il y avait encore des gens pour voter LR, et il y avait de toute façon manifestement des gens pour voter RN, l'idée d'Éric Zemmour, qui était une idée très intelligente sur le papier, c'était de faire un pont entre les deux. C'était de dire, de faire ce que Wauquiez aurait pu faire ou Ciotti aurait pu faire s'ils avaient été suffisamment courageux, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez, maintenant il faut arrêter de se mettre une pince à linge sur le nez pour des raisons sociologiques parce que nous pensons quasiment à la même chose que les gens qui votent pour le Rassemblement National, mais sauf que nous, les gens qui votent pour nous ont des PEA, tandis que les gens qui votent pour le Rassemblement National ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc il fallait peut-être dire aux gens des beaux quartiers, arrêtez de vous sentir dégradé parce que vous allez voter avec des gens... qui mange des moules frites à la sortie Rassemblement National, le premier parti ouvrier de France. Hein, Exactement. Donc voilà, ça, il y a eu ce blocage sociologique à l'intérieur de LR. Et puis surtout, on revient sur la comédie antifasciste dont parlait Jospin. Finalement, c'était très important pour le système. Rien ne fonctionne, la politique qui est suivie depuis 30-40 ans est un échec, mais grosso modo, c'est nous, ou alors ça sera un problème pour les droits de l'homme, ou alors on va réouvrir les chambres à gaz, etc. Donc laissez-nous faire, laissez-nous construire l'Europe, laissez-nous ouvrir les marchés, laissez-nous délocaliser, laissez-nous donner tout le pouvoir aux magistrats qui sont de plus en plus laxistes avec les immigrés, qui sont eux-mêmes symboliquement des porteurs d'étoiles jaunes, parce que toute autre politique nous mènerait aux heures les plus sombres, etc. etc. Enfin, je refais pas le magnétophone social. Donc, Éric Zemmour, il a essayé de faire le pont entre LR et le RN. L'idée était bonne, je disais, mais sauf que parallèlement, il a mené un autre projet. Cet autre projet, c'était de doubler ou de déborder le RN à sa droite, en disant mais finalement, Marine Le Pen, elle est trop molle. Donc moi, je vais être plus radical qu'elle. Et par conséquent, il l'a dédiabolisé, peut-être rendu plus présidentiable. Un, dédiabolisé. Et deux, comment vous voulez être géographiquement ou géométriquement entre LR et le RN et à la droite du RN? C'est pas possible. Comment vous voulez en être... Il fallait être à la gauche du RN et à la droite de LR pour faire ce pont. Et lui, il a été à la droite du RN. Donc vous diriez qu'il a rendu service à Marine Le Pen?
Bien sûr, il ne l'a pas fait exprès, mais bien sûr qu'il a rendu service à Marine Le Pen. Enfin, le temps du premier tour, parce que maintenant, elle va redevenir le mauvais objet et les flèches du système vont être lancées sur elle. Mais grosso modo, vous voyez, c'était assez incohérent de vouloir avoir une position médiane entre LR et le RN et de vouloir déborder le RN sur la droite. Mais je pense que l'erreur plus stratégique encore, ça consistait à continuer à faire comme s'il existait de la droite. Pour le coup, Marine Le Pen, je pense qu'elle n'a pas formulé clairement un projet alternatif à l'euro-mondialisme, si vous voulez, qui serait un projet victorieux, gagnant pour la France, qui permettrait de projeter la France dans le 21e siècle et de sortir de l'erreur qui me semble être l'erreur la plus critique et la plus cruciale, c'est-à-dire que la France toute seule est trop petite. En fait, c'est ça. Et donc, à partir de là, soit les vaincus économiques de la mondialisation, soit les gens qui peinent à boucler les fins de mois, soit les nostalgiques de la grandeur française partent battus d'avance. Ils se disent de toute façon, les mondialistes, les euromondialistes ont raison. Nous, on a un combat pour l'honneur, un peu on va charger en gants blancs, un peu comme les lanciers polonais sur les tanks, mais notre combat, c'est un combat d'arrière-garde, c'est un champ du cygne. Donc on va avoir un combat défensif, on va avoir un combat pour critiquer le système, sa dureté, sa cruauté sociale, critiquer le fait qu'il néglige et il est aveugle à la souffrance des gens qui se font tabasser par les islamo-racailles, aveugle et sourd aussi à la souffrance des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Mais grosso modo, c'est un combat défensif. Or, ce n'est pas possible. Soit vous avez un projet qui est plus clair, plus limpide, plus intelligent, qui donne davantage envie que le projet de Macron et des euro-mondialistes, et vous leur dites maintenant aux gens, soit vous continuez à voter pour ces gens qui nous envoient dans le fossé depuis 40 ans, et vous voyez bien que ça ne marche pas, soit vous voulez que la France devienne un grand pays, comme Israël, comme la Corée, comme Singapour, parce que, en fait, on va vous dire que si on avait gardé les mêmes dépenses d'armement qu'en 1991, notre armée serait plus puissante que la Russie. Et je pense qu'on nous causerait meilleur. Et je pense qu'en plus, une armée très forte, c'est aussi une technologie très forte, c'est aussi la France, un pays qui a une réserve d'épargne monstrueuse. Si vous drainez cette épargne et que vous l'investissez dans les technologies du futur, la France va redevenir un grand pays. Donc c'est une légende de croire que parce que la France n'est pas aussi étendue que la Russie, ou qui d'ailleurs a un PIB qui est inférieur à celui de l'Espagne, je rappelle, ou aussi peuplée que le Nigeria, qui n'est pas un pays très riche, alors on est foutu. Autrement dit, il faut absolument se diluer dans l'Europe, c'est-à-dire obéir aux États-Unis, sinon on n'a plus d'avenir. Parce que par ailleurs, les gens ne sont pas fous, ils savent très bien que tant que vous restez dans ce modèle-là, vous ne pouvez pas reproduire en France, vous ne pouvez pas réindustrialiser la France, vous ne pouvez pas relancer, investir dans les technologies du futur, vous ne pouvez même pas, d'une certaine façon, contrôler vos frontières. Si vous voulez faire halte et stop à l'immigration folle, de toute façon, vous allez vous affronter immédiatement au traité européen et à la jurisprudence des juges. Donc, vous voyez, le problème, c'est que il n'y a pas d'alternative crédible qui est pensée par ceux qui critiquent le système. Et donc, ils sont dans un système de défensive ou dans un système de nostalgie. Ils partent perdus d'avance. Les seules batailles qu'on est absolument sûr de perdre sont celles qu'on n'engage pas. À l'approche de ce 24 avril, beaucoup tentent d'associer Vladimir Poutine à Marine Le Pen. Vous en pensez quoi de cette technique ? Ah bah ça va. Autant la question du carnaval antifasciste est éventé, cet argument est éventé et porte de moins en moins. Vous savez, les fameux castors là qui font barrage, je pense que plus personne ne va croire aux injonctions de BHL. Autant l'idée de décrédibiliser Marine Le Pen dans un contexte où on peut pas dire que Vladimir Poutine apparaisse comme un grand démocrate ou quelqu'un de rassurant pour la paix mondiale, oui, c'est quelque chose qui va abîmer son image, et on peut être certain que Emmanuel Macron va tout faire pour critiquer le patriotisme, en fait, de Marine Le Pen, qui serait le nouveau parti de l'étranger. Voilà, nouveau parti de l'étranger, parce que une banque russe aurait prêté de l'argent, parce que elle aurait considéré que Vladimir Poutine était un résistant à la globalisation américaine, ce qui est par ailleurs pas totalement faux, etc., etc. Bon, donc, je pense que l'argument n'est réversible que dans la mesure où les Français, on est tous extrêmement choqués par ce qu'a fait Vladimir Poutine, ce qui est inqualifiable. Je vois pas très bien comment, d'ailleurs, on pourrait vouloir qu'un jour George W. Bush aille au tribunal pénal international. Moi, c'est un de mes vœux les plus chers, mais je pense qu'il devrait être suivi par Vladimir Poutine. On peut pas condamner les États-Unis pour avoir violé la Charte des Nations Unies et agresser
l'Irak ait fait 200 000 morts civils sans condamner de la même façon, pour les mêmes raisons, Vladimir Poutine en Ukraine. C'est pas acceptable. Simplement, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce scénario consistant à diaboliser Vladimir Poutine. Parce que cette diabolisation, finalement, elle mène à une logique de guerre. Elle mène à une logique de co-belligérance. Si Vladimir Poutine, c'est Kadhafi, si Vladimir Poutine, c'est Saddam Hussein, et s'il faut effectivement pas le laisser au pouvoir et les traduire devant un tribunal pénal, on sent bien qu'on va être entraîné dans quelque chose où il n'y aura pas d'issue diplomatique possible. Donc là, Marine Le Pen pourrait jouer sur un sentiment très ambivalent des Français qui, à la fois, condamne légitimement Vladimir Poutine, mais d'un autre côté, ont peur, et ont légitimement peur d'être entraînés dans une guerre face à un pays qui n'est pas naturellement notre ennemi, historiquement, mais qui en plus est doté de l'arme nucléaire. Et là, il y a quelque chose de potentiellement très dangereux, parce que autant je pense que les Français comprennent bien que Vladimir Poutine a peut-être commis une erreur de... Enfin, c'est un peu l'erreur de trop. Il a été beaucoup trop loin. Il est indéfendable, je le répète. Mais autant ce côté impasse, ce côté acculé, on n'accule pas, si vous voulez, un animal blessé, surtout un fauve. On le met pas dans une impasse comme ça, sachant que les griffes du fauve sont nucléaires. Voilà, il y a quelque chose qui, là-dedans, n'est pas pensé jusqu'à son terme, parce que il y a une asymétrie dans ce conflit, il y a une asymétrie de motivation. Nous sommes dans l'émotion, je répète, légitimement choqués par ce que les Russes font en Ukraine, mais pour les Russes, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Et pour eux, il y a non seulement des intérêts géostratégiques, il y a non seulement... Plus la guerre se déroule, c'est vrai du côté ukrainien comme du côté russe, et c'est la caractéristique de la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle s'arrête, c'est que le prix de la négociation, le prix de la paix s'élève à mesure qu'il y a de plus en plus de morts. Donc il faudrait espérer que les Russes et Vladimir Poutine ne correspondent pas du tout à l'image d'un espèce de monstre sanguinaire complètement paranoïaque qu'on décrit dans nos médias. Il faudrait plutôt espérer que, c'est un bon joueur d'échecs, il s'est révélé un mauvais joueur de poker, mais grosso modo qu'il reprenne ses esprits et qu'il lui-même pense à une issue. Ou alors les Russes se débarrasseront eux-mêmes de Vladimir Poutine, ce serait pas mal, ou alors Vladimir Poutine va chercher à sortir de cette impasse. Mais si on rentre dans une impasse, là, je pense que Marine Le Pen peut insister sur le fait qu'il y aurait à craindre que la guerre dure et d'appuyer complètement, de se solidariser militairement avec l'Ukraine. Oui, donc je pense que autant Emmanuel Macron peut abîmer Marine Le Pen en l'accusant de proximité avec Vladimir Poutine, en jouant sur les émotions et sur le côté absolument peu ragoûtant de la figure de Vladimir Poutine, même sanguinaire, autant... il y a tout de même dans le peuple français, je le sens bien, et c'est rationnel d'ailleurs, une crainte d'être entraîné dans un conflit qui n'est pas notre conflit. Or, pour le coup, on sent aussi que du côté de Mme von der Leyen, par exemple, et du côté de beaucoup d'Européens, il y a une tentation d'utiliser la guerre en Ukraine comme étant notre guerre. C'est la guerre de 100 ans de l'Europe. C'est vraiment, tous les Européens se sentiraient agressés par Vladimir Poutine. Tous les Européens seraient, on est tous Charlie, alors on est tous Ukrainiens. Voilà. Et donc, dans ce cas, il y a l'idée de finalement d'être un peu va-t-en-guerre. Et c'est quelque chose qui peut-être n'est pas le calcul d'Emmanuel Macron lui-même. Mais en tout cas, l'argument de la solidarité totale avec l'OTAN et avec l'Union européenne est un argument que Marine Le Pen pourrait utiliser habilement comme étant extrêmement anxiogène, finalement, pour les Français. – Alors, Guillaume Bigot, vous êtes, je le disais en introduction, un observateur averti de la vie politique française, vous êtes éditorialiste sur CNews. J'aimerais vous demander à présent quel regard vous portez sur le niveau du débat, le niveau des candidats, le niveau même des journalistes, j'irais jusque-là, au cours de cette campagne présidentielle. Ça fait des années qu'on entend qu'à chaque élection présidentielle, quasiment, le niveau baisse, qu'elle est pire encore que la précédente. Quel est votre avis là-dessus? On n'est peut-être pas loin quand même d'une partie de la vérité, là. Non. Oui, mais je pense qu'on a tous... Il n'y a pas eu de débat jusqu'à maintenant, en tout cas. Il n'y a pas eu de débat pour des raisons conjoncturelles, surtout.
Il n'y a pas eu de débat en raison de la guerre, il n'y a pas eu de débat en raison de la politique d'Emmanuel Macron. Et il n'y a pas eu de débat parce que finalement, Emmanuel Macron, son truc, c'était le en même temps, c'était clivé dans les mots et finalement être assez consensuel et relativement peu actif dans les faits. Est-ce que c'est la pire élection présidentielle qu'on ait connue dans la Ve République, comme beaucoup le disent ? C'est un paradoxe. Elle est tissée de paradoxes. C'est-à-dire qu'en fait, les Français n'avaient pas du tout envie d'avoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen au second tour. Ils ont Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Les Français sont... Finalement, on considérait qu'Emmanuel Macron les avait snobés un peu, avait utilisé, manipulé un peu et la crise sanitaire et la crise géopolitique pour ne pas daigner faire campagne et un peu enjamber le premier tour comme une sorte de formalité administrative. Alors, il va sans doute se rattraper, mais ça a été perçu comme une preuve de dédain. Et pour autant, il y a quand même eu un vote assez fort en sa faveur. Et ce qui est curieux aussi, c'est vrai, il y a eu une sensation... avant le premier tour, d'être un peu, de pas être en campagne du tout, de pas être en campagne présidentielle. Oublions pas aussi l'effet mémoire du confinement qui a fait franchir des paliers en termes d'abstention. Mais le paradoxe le plus important, c'est que pour la première fois, l'issue du second tour est plus ouverte que jamais. C'est pas que Emmanuel Macron a pas beaucoup plus de chances que Marine Le Pen, il a beaucoup plus de chances, mais il n'y a rien. La lecture consistant à dire finalement le système veut essaye de mettre en scène un péril parce qu'à force de vaincre son péril on triomphe sans gloire et donc on fait monter le risque Marine Le Pen comme ça on gagnera une sorte de légitimité. On revient sur la question de la légitimité. Moi je ne crois pas. Je pense qu'ils ont des raisons d'être légitimement inquiets. La réélection d'Emmanuel Macron n'est pas garantie. Donc là pour le coup ça serait la première fois depuis 1981. Qu'on pourrait être à la veille d'une véritable bascule politique. Séisme, on peut le dire. Exactement. Et là, c'est très étrange parce qu'on a à la fois la sensation que cette campagne n'est pas très intéressante et en même temps son enjeu est plus lourd que jamais. Son enjeu est plus lourd que jamais parce qu'il y a la guerre. Son enjeu est plus lourd que jamais parce qu'il y a une espèce de dérive vers une société QR code de contrôle. Son enjeu est plus lourd que jamais parce qu'il y a une véritable tiers-mondisation du pays. Il y a de multiples raisons qui font qu'il y a quelque chose qui est en la construction européenne aussi finalement. À l'enjeu, disait Éric Zemmour, c'est la civilisation française, la France. Oui et non. En fait, la France restera la France, même si les effets de l'immigration sur le long terme, il a raison de dire qu'ils pourraient être irrémédiables. Mais en tout cas, la France restera la France. En revanche, qui pourrait être définitivement corrompu, c'est le suffrage universel, le pouvoir du suffrage universel. Beaucoup de pouvoirs ont été transférés. Là, le projet d'Emmanuel Macron est quand même un projet de diminuer considérablement le pouvoir de la démocratie. Vous pensez que Marine Le Pen est prête pour le pouvoir, au-delà de ses chances d'accéder au pouvoir? Est-ce qu'à titre personnel, beaucoup ont observé une mue, de la même façon que vous parliez d'Éric Zemmour, beaucoup ont observé que Marine Le Pen avait changé. Est-ce que vous pensez qu'elle est prête pour accéder à la magistrature suprême? Beaucoup ont dit que Jean-Marie Le Pen, son père, ne voulait pas du pouvoir. Il semblerait qu'elle le veuille. Il y a une épreuve du feu, une épreuve de vérité, qui est le fait d'exercer des responsabilités, petites ou grandes. Les gens se révèlent, alors ils se révèlent en bien ou en mal, mais il est d'expérience, la petite expérience que j'ai, c'est que c'est absolument impossible de savoir, avant que les gens arrivent aux responsabilités, ce qu'ils vont donner, d'une certaine façon. C'est pas possible. Si vous me demandez si elle est aussi forte qu'Emmanuel Macron dans le champ politique, elle risque de dominer le débat, etc., je dirais probablement que non, mais je sais pas, est-ce que... Ronald Reagan était l'homme politique américain le plus brillant, le plus impressionnant. Non, pourtant, ça restera sans doute l'un des présidents américains qui a gagné la guerre froide, d'abord, et qui a redressé complètement son pays. Donc c'est un président comme Truman, par exemple. Personne n'aurait misé un copec sur lui. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère, une alchimie qui s'opère. Je pense que la personnalité d'un dirigeant, c'est une fois aux affaires qu'elle se révèle, en bien comme en mal. Et ce qu'on peut dire simplement, c'est que
Évidemment, il y a des, si on fait le calcul, il y a des réserves certaines pour Emmanuel Macron et des réserves certaines de voix pour Marine Le Pen. Donc les réserves certaines de voix pour Emmanuel Macron ne sont pas très importantes, mais elles sont néanmoins un peu plus importantes que les réserves de voix certaines pour Marine Le Pen. J'ai fait un petit calcul. Si on se dit que, grosso modo, il pourrait y avoir 12,3 millions de voix certaines pour Emmanuel Macron, parce que les voix de Jadot, je pense qu'elles iront complètement sur lui. Les voix d'Hidalgo, elles iront complètement sur lui. Et puis, j'ai fait un petit calcul entre Roussel, Poutou, Artaud, il y en a bien au max. Enfin, ça serait bien le diable s'il n'y avait pas au moins 400 000 voix. Donc au total, il y aurait 12,3 millions de voix. Si vous additionnez ces 9,7 millions du premier tour et ces réserves-là qui sont presque certaines, vous aboutissez à 12,3 millions. J'ai fait un peu le même calcul du côté de Marine Le Pen en considérant que tous les gens qui ont voté Zemmour ne voteront pas, malheureusement pour Marine Le Pen, même si beaucoup voteront. Elle est partie de 8,1 millions, donc disons 2 millions d'Éric Zemmour, pardon de cette addition de boutiquier, hein, 500 000 de Jean Lassalle, 400 000 de Roussel. À mon avis, les 700 000 de Nicolas Dupont-Aignan se reporteront complètement, on verra si c'est vrai ou pas, sur Marine Le Pen. Et vous voyez, on arrive à 11,7. 11,7, 12,3, c'est pas très loin. Mais les reports certains sont un peu plus forts pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. Et donc, on se dit quoi à la fin? C'est très simple. On se dit qu'il y a un faiseur de roi. L'abstention. C'est Jean-Luc Mélenchon, 7,7 millions. Ou les abstentionnistes. Et un deuxième faiseur de roi, que sont les abstentionnistes. Et 7,7 millions avec Jean-Luc Mélenchon, dont une partie va s'abstenir, une partie, il n'est pas propriétaire de ses voix. Il y a un tiers, donc je le disais. Voilà, exactement. Qui se reporterait sans doute sur Marine Le Pen. Exactement. Et un tiers sans doute sur Emmanuel Macron. Il resterait les abstentionnistes. Et là, pour le coup, c'est là où j'en reviens à mon idée clé, c'est-à-dire que on est dans un entre-deux. Quelque chose a été redessiné, redécoupé, resynthétisé par Emmanuel Macron, mais en face, ses opposants n'ont pas fait ce même travail. Et donc, on reste dans quelque chose qui est un peu vintage, qui date du XXe siècle. Et donc, ces 12 millions d'abstentionnistes, est-ce que ce sont juste des gens foutres qui ont autre chose à faire et qui se désintéressent des affaires publiques? Ou est-ce que ce sont des gens qui considèrent qu'on n'a rien à leur proposer de très excitant, que des ressucés du XXe siècle, des choses qui sont un peu has-been, et des encore 5 minutes, monsieur le bourreau, on veut sauver quelques emplois, ah mais c'est très méchant la mondialisation, ah oui mais on veut stopper l'immigration, non. Grosso modo, est-ce qu'on a une voie alternative à proposer au peuple français ou pas? Et je pense que s'il y avait une voie alternative ambitieuse, séduisante, il y aurait des gens qui ont fait Harvard, MIT, Polytechnique autour de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Ça attirerait des élites. Et ça, vous voyez, ça c'est aussi un problème quand même. Et ça serait un signe. Et ça réveillerait les morts que sont les abstentionnistes. Il faut bien comprendre que les abstentionnistes, moi, c'est l'analyse que je fais. Il y a des gens qui se désintéressent de la politique, c'est vrai, qui sont gagnés par cet individualisme et le monde des écrans, et qui sont persuadés, parce qu'on leur a persuadé, on les a persuadés de ça pendant 30 ans, ils ont gobé que c'est un monde sans frontières, on est tous citoyens du monde, ça sert à rien de voter, l'enjeu le plus important, c'est le réchauffement, et de toute façon, on n'y peut rien, etc. C'est vrai qu'il y a une partie des abstentionnistes qui sont comme ça. Mais il y a une autre partie des abstentionnistes qui sont juste des grands brûlés. On leur a vendu la fracture sociale, on leur a vendu les gens qui se lèvent tôt, on leur a vendu le Karcher, on leur a vendu la finance, c'est mon ennemi. On leur a raconté tout et le contraire de tout, des sornettes à dormir debout. À chaque fois d'ailleurs, parce que c'est la vieille politique française, on leur vend une espèce de rêve gaullo-bonapartiste en disant « Enfin, il va y avoir un souverain ou une souveraine qui va s'appuyer sur les petits pour taper sur les gens d'en haut. » Parce que c'est ça, au fond, la France. C'est un monarque qui part de l'Île-de-France, qui fait la conquête de tout un territoire et qui va s'appuyer sur les petits pour taper sur les puissants. Voilà. Eh bien, depuis 30 ou 40 ans, depuis la construction européenne, c'est la politique de Versailles, c'est la politique de la Cour, c'est la politique de l'Inspection Générale des Finances, c'est la politique des banques, c'est la politique du CAC 40, c'est la politique de 30%, je disais 25 ou 30% du corps électoral qui sont des gens âgés qui ont fait... qui ont gagné de l'argent pendant les 30 glorieuses et qui maintenant veulent garder le magot. Donc grosso modo, ce statu quo, il est bien défendu par des gens assez brillants qui tiennent le manche, qui sont appuyés par les États-Unis, qui sont appuyés par la construction européenne, qui sont appuyés par la mondialisation. Et grosso modo, ils n'ont que des discours de chouinerie en disant oh, « mais c'est pas gentil, c'est pas bien », etc. Mais il n'y a aucune contre-attaque. La meilleure défense reste l'attaque. – Alors justement, là, on ne peut pas s'empêcher de parler, au moment où vous parlez des États-Unis notamment, de l'affaire McKinsey. Est-ce que vous pensez que McKinsey pourrait être le Watergate d'Emmanuel Macron? Oui, et peut-être pas que McKinsey, parce que McKinsey est intéressant
parce que c'est très politiquement significatif. C'est une affaire qui est sortie, qui a mis du temps à sortir. Hein. Qui a mis du temps à sortir. Parlé beaucoup et d'ailleurs qui jusqu'à maintenant on connaît pas hein, l'état de déflagration que ça peut provoquer, mais en tout cas ça dit quoi, ça témoigne d'une forme de corruption d'entre-soi des élites. Qu'est-ce que ça dit selon vous, Guillaume Bigot? La force d'Emmanuel Macron, c'est qu'il appartient à l'élite, c'est même que il pourrait dire comme Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi, il pourrait dire... Je le rappelle, vous êtes aussi à la tête d'une école de commerce. Oui, bien sûr. Une école de commerce française. Oui, oui. Et je ne mords pas la main qui me nourrit. Je pense que moi, je ne suis pas contre le capitalisme, contre le fait de faire de l'argent. Je ne suis même pas contre la mondialisation. Je pense simplement que le projet, la stratégie de l'Europe, de la construction européenne, c'est-à-dire consistant à dire la France est trop petite et donc doit se fondre dans un grand ensemble qui en fait en réalité est aux mains des États-Unis, c'est un projet funeste. Et c'est un projet qui avantage l'Allemagne et son industrie en Chine et qui avantage stratégiquement et géopolitiquement les États-Unis. Mais je pense donc que ça ne correspond pas à l'intérêt des Français et je pense qu'il y a une autre stratégie à formuler pour que la France gagne dans la mondialisation. C'est pas nécessairement un projet là aussi c'est une totale caricature, comme critiquer l'immigration ça nous ramène aux heures les plus sombres. Toute critique de la mondialisation, c'est forcément le repli frileux, le fait de vouloir se claquemurer, de vivre dans son coin. Ben, tout ça est fou. Je veux dire, Singapour, Israël ou la Corée ne sont pas des pays claquemurés. En rien, en fait. Donc, c'est absurde. Vous pensez qu'Emmanuel Macron savait, ou en tout cas, il aurait dû savoir. On revient à McKinsey. Moi, je pense que McKinsey, c'est beaucoup plus que les diamants de Bokassa, c'est-à-dire pour Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas seulement quelque chose qui est gênant en tant que tel, parce que il a, peut-être fait travailler McKinsey de manière soi-disant gratuite ou gracieuse, mais comme il n'y a rien de vraiment gratuit ou gracieux dans ce genre d'univers, il y avait probablement des moyens de renvoyer l'ascenseur, et ce qu'on a bien vu pendant le quinquennat. C'est pas seulement quelque chose qui est... on va dire un peu choquant sur le plan de la morale et peut-être qu'il y aurait quelque chose à gratter sur le plan du droit. Non, ce qui est plus intéressant, c'est que ça a un véritable sens politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est porteur d'une idéologie euromondialiste dans laquelle il dit, un peu comme le film là pour des inconnus pour s'arrêter de fumer, vous êtes bien, pas bien, donc public, pas bien, privé, bien. Répétez après moi, public, pas bien, privé, bien. Donc ça, c'est la grande idée qui a saisi la classe dirigeante française depuis 30-40 ans. – Ça dit quoi sur cette imbrication de plus en plus grande entre le public et le privé ?– Lui, c'est un homme du service public. Lui, sa position dans la classe dirigeante française, dans la c'est cour, de dire qu'on si a voulez, pas ses compétences dans l'aristocratie publique, française, c'est justement d'être un inspecteur général des finances, c'est-à-dire d'un corps de contrôle le plus élitiste et placé, c'est la pointe de la pyramide du service public. Et donc, c'est ça qu'il a fait aristocrate d'une certaine façon. Et celui-là qui a été porté au sommet par un système de service public, enfin, je rappelle là, l'ENA qu'il a fermé, c'est pas du tout un hasard qu'il l'ait fermé, c'est vraiment l'énarque terminal, c'est à la fois la quintessence de l'ENA et en même temps celui qui va tuer l'ENA. La devise de l'ENA, c'est servir sans s'asservir. Servir qui ? Servir l'intérêt général, servir le public, servir la France. Sans s'asservir à quoi ? Et sans s'asservir à l'argent. Qui est Emmanuel Macron ? Quelqu'un qui est une élite au sommet de la société française, grâce à un système où l'éthique, c'est de servir sans s'asservir. Et que fait-il ? Il va pantoufler, ou dans la banque d'affaires, et ensuite... Il se met au service, évidemment, donc chez Rothschild, bien sûr, du CAC 40, mais pas seulement, aussi de grands groupes internationaux, multinationaux. Donc évidemment, c'est cohérent par rapport à son projet, mais c'est totalement incohérent par rapport à sa légitimité. Et on est vraiment dans un phénomène d'ancien régime, si vous voulez, de fin de l'ancien régime, exactement ce que Tocqueville décrivait à la fin dans l'ancien régime et la Révolution. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui faisait que les aristocrates étaient obéis dans l'ancien régime? C'est qu'ils tiraient l'épée pour défendre les paysans, et défendre le clergé, et défendre le roi. Voilà, donc ils se battaient, c'était vraiment ça le cœur de la noblesse. Eh bien, à un moment, ils ont été empaillés par Louis XIV, ils ont été mis à Versailles, ils étaient complètement décoratifs d'une certaine façon, ils ne se battaient plus, ils ne défendaient plus leurs paysans, de toute façon, l'État royal avait assuré la sécurité des frontières, et qu'est-ce que faisaient ces gens? Ils bénéficiaient toujours d'incroyables privilèges, ils ne payaient pas d'impôts,
comme par hasard, on retombe sur les mêmes thématiques. Et ensuite, moins ils étaient utiles socialement, et plus ils en rajoutaient en termes d'arrogance, de privilèges, de mépris, etc. etc. On a effectivement la même mécanique, c'est-à-dire une élite qui est faite élite parce qu'elle est au service de l'État, du service du public, mais elle ne croit plus au service public. Elle attaque elle-même le service public. Vous voyez, c'est un peu comme des cellules cancéreuses qui se mettent à attaquer les cellules saines. Donc on est vraiment dans ce mécanisme. C'est pour ça que cette affaire McKinsey est très importante. C'est parce que ça signifie tout ça. Ça synchronise tout ça et ça... on peut dire ça cristallise tout ça. Mais il y a un autre sujet qui a été peu abordé dans cette affaire McKinsey, au-delà de l'aspect public-privé, et qui me paraît quand même très important, celui de la sécurité mondial. Nationale et de la souveraineté. Alors justement, vous qui êtes souverainiste, est-ce que vous n'êtes pas choqué par le fait que justement que le cabinet en question, McKinsey, pour ne pas le nommer, soit même pas un cabinet français, mais un cabinet américain, avec évidemment toutes les implications que ça entraîne par rapport aux services de renseignement de ce pays? Est-ce que ça ne présente pas un grave risque? Pour ne pas parler d'Alstom, pour ne pas parler d'autres scandales qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'effectivement, on a bien, je disais tout à l'heure, privé, bien, public, pas bien, mais on a français, pas bien, mondial, et mondial, global, c'est en fait anglo-saxon, bien. Et donc on a bien vu que le président de la République allait, je ne sais plus, je crois que c'était dans un pays scandinave, dire, mais vous savez, nous on n'est pas, on est un pays réformable, parce que ce sont des Français indécrottables, etc. En fait, on n'est pas comme les pays anglo-saxons. Le thème de la réforme, en fait, c'est un mot de passe, en fait, la réforme. La réforme, ça veut dire anglo-saxoniser, ça veut dire libéraliser, ça veut dire privatiser. C'est donc quelque chose qui nous ramène à très loin dans notre histoire, parce que finalement, je revenais à cette espèce de morphologie politique de base de la France, le souverain, il s'agit de Louis XIV ou de Napoléon, qui va s'appuyer sur les petits pour taper sur la tête des gros et imposer l'intérêt national, en s'appuyant sur les petits contre les gros. Eh bien, en fait, il y a toujours la tentation inverse, c'est-à-dire il y a toujours la tentation des gros, c'est-à-dire des importants, c'est-à-dire des familles de la Ligue, par exemple, ultra-catholiques s'alliaient à l'Empire des Habsbourg aux Espagnols, les grandes familles protestantes qui s'alliaient à l'Angleterre. On a eu ensuite, on l'a vu pendant l'occupation, c'était aussi terrible, hein, les bourgeois étaient quasiment tous, comme un seul homme, couchés devant l'occupant nazi. On a eu ensuite ce que de Gaulle a eu énormément de mal à faire, c'est-à-dire arracher... la France des griffes de l'OTAN et des griffes des États-Unis en sortant la France du commandement intégré de l'OTAN. On a donc vraiment en permanence un effort qui doit être fait par le pouvoir central pour empêcher les gens qui sont puissants et importants en France de faire une espèce d'alliance de revers avec l'étranger contre le peuple. Parce qu'il y a dans cette classe dirigeante française toujours une espèce de tentation de la trahison, ce que de Gaulle appelait le parti de l'étranger, qui vient de très loin. Parce qu'en fait, finalement, les Français, ils ont, comme dit Tocqueville, toujours la passion de l'égalité. La passion de l'égalité, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cette idée que ceux qui sont riches et puissants, ils ne le sont pas nécessairement de droit divin, ils sont riches et puissants parce que peut-être ils ont eu, à tort ou à raison, hein, mais plus de chance ou ils ont eu plus d'opportunités. Il y a une sorte, c'est le mauvais côté de l'égalité à la française, c'est un peu une sorte de jalousie, si vous voulez. Parce que les choses peuvent être très présentées comme très exaltantes. C'est vrai, le service public à la française, c'est formidable. Le sentiment d'égalité, c'est formidable. L'universalité française, c'est formidable. Mais il y a aussi l'avers du revers. C'est-à-dire le côté un peu jaloux, un peu mesquin. Un peu, je vais regarder dans l'assiette du voisin si par hasard, il n'a pas plus que moi, etc. Alors vous, Guillaume Bigot, qui êtes diplômé de Sciences Po Paris, qui êtes à la tête d'une école de commerce française, vous en êtes issu, vous aussi, de cette élite. J'aimerais vous poser cette question. Quelle influence réelle vous attribuez, de manière générale, au lobbying en France? Le lobbying, il est d'autant plus important qu'une grosse partie des enjeux économiques sont traités à Bruxelles. Et pour le coup, les lobbies sont chez eux à Bruxelles. Bruxelles est même fabriquée pour ça, en fait. Ça a été pensé pour être, on peut dire, l'endroit où l'écosystème parfait, idéal, pour que les lobbies puissent s'épanouir. Encore une fois, le fait de transférer l'essentiel des décisions, des responsabilités dans le champ social économique à l'Union européenne, ça permet aux lobbies d'étendre les bras. Les lobbies sont aussi puissants évidemment en France, on parlait de McKinsey, et d'une certaine façon la crise russo-ukrainienne rappelle cette vérité profonde de Mao Tse-tung, le pouvoir est toujours au bout du fusil. Évidemment, suivant que vous êtes dominant ou dominé, suivant que vous êtes
un chien bien nourri ou un loup efflanqué qui essaye de, voilà, de survivre, vous n'avez pas la même attitude et vous n'avez pas le même degré d'agressivité. Les États-Unis sont ultra dominants, donc ils n'ont pas une, enfin ils ont une politique relativement agressive, mais enfin pas à notre égard. En tout cas, ça c'est sûr, ils arrivent à convaincre par leur fameux soft power, ils arrivent à convaincre en nous séduisant, ils arrivent à convaincre en investissant, ils arrivent à convaincre en prenant le contrôle de nos entreprises. Ils ne nous font pas la guerre, ils ne nous bombardent pas. Mais pour autant, on aurait tort de ne pas s'arrêter sur le fait qu'il n'y a jamais de grande puissance économique qui ne soit pas aussi et surtout une grande puissance militaire. C'est une vérité de l'histoire. Derrière la puissance commerciale de Venise, vous aviez les galères de Venise, vous aviez la puissance navale de Venise. Derrière la puissance britannique, vous aviez la Royal Navy. Et derrière le dollar américain, derrière les investissements américains, derrière Hollywood, vous avez des chasseurs-bombardiers, vous avez des porte-avions, vous avez des satellites d'observation, etc. Vous avez toute une armada, si vous voulez. Et ça, où ça devient extrêmement cohérent, c'est qu'évidemment, la puissance dominante, elle n'a pas intérêt à mettre ça en avant. Elle a au contraire intérêt à le dissimuler et à prétendre qu'il vaut mieux être pacifique, qu'il vaut mieux... c'est le doux commerce de Montesquieu et elle vend finalement la liberté, la tolérance, etc. Mais en réalité, ça dissimule un rapport de force, toujours, inévitablement. Ce qui nous induit, nous, un peu en erreur, c'est la position de l'Allemagne. Parce qu'on a l'impression que l'Allemagne, et on n'a pas, c'est pas une impression, que l'Allemagne a été un succès économique, comme le Japon d'ailleurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça nous fait envie, on se dit « Ah, mais ces gens-là sont extrêmement productifs ». Et au contraire, nous, Français, en essayant de garder un rang dans le domaine stratégique, dans le domaine militaire, on s'affaiblit. Si on mettait comme eux, si on renonçait complètement à nous défendre par nous-mêmes et on se mettait sous le parapluie américain. Mais en fait, la crise russo-ukrainienne est là pour nous rappeler que c'est extrêmement dangereux. Guillaume Bigot, on arrive bientôt au terme de cette émission. J'aurais deux dernières questions. Première question, et je vous demanderai une réponse aussi rapide que possible. Si vous deviez, en quelques phrases, me faire un bilan de ces 5 années du quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous retiendriez de plus important ? Ouais, c'est pas un bilan, c'est un dépôt de bilan. Je pense que Emmanuel Macron, tout ce qu'il a réussi, c'est parce qu'il n'a pas appliqué son programme, d'une certaine façon, son projet. Le peu de frémissement économique, c'est quand même un petit mieux économiquement. Il serait vraiment très très malhonnête de ne pas le reconnaître. C'est pas Emmanuel Macron, c'est le Covid en réalité. C'est le Covid et le fait que il y a eu injection de liquidités et ça a animé un peu l'économie et ça a créé un peu de croissance, combiné aux quelques mesures fiscales qu'il avait prises au début, ça a créé un petit mieux. Bon, mais c'est pas Emmanuel Macron qu'il faut remercier, c'est plutôt le Covid et en fait il a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis de faire. Pour le reste, il est très insaisissable, c'est le fameux en même temps. Donc c'est très difficile, c'est aussi une caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est comment vous voulez juger quelqu'un qui n'a pas de consistance en fait. C'est absolument impossible, il vous glisse entre les mains. Vous ne pouvez pas dire finalement ce que vous dites sur l'OTAN est très vrai. Et finalement, est-ce que c'est quitter l'OTAN, c'est une mort cérébrale. De ne pas pouvoir être saisissable. C'est un talent quand on est banquier d'affaires, qu'on veut faire des deals et qu'on veut rapprocher des gens. C'est un très grand talent. Quand on a la charge d'un État, je ne suis pas certain que ce soit un talent. Je pense que c'est précisément le contraire, c'est-à-dire l'idée que il faut être capable de fâcher les gens dans leur intérêt. Et là, l'idée, c'est que de ne fâcher personne dans son intérêt à lui, c'est précisément l'inverse. Quand le général de Gaulle dit « je vous ai compris », parce qu'il sait bien que ça va être extrêmement compliqué d'imposer la sortie de l'Algérie, il a quand même en tête qu'on ne peut pas faire autrement que de sortir d'Algérie, qu'il essaye d'arrondir les angles, mais il essaye pas d'arrondir les angles pour se faire aimer. Il essaye d'arrondir les angles parce qu'il sait que ça va être sanglant, que ça va être extrêmement violent, et que les gens ne sont pas capables d'accepter cette vérité. Donc, il remonte au vent. Je pense que c'est pas du tout la démarche d'Emmanuel Macron. En même temps, n'est pas un « je vous ai compris », c'est pas un « je vais essayer de faire une pédagogie, de remonter au vent, et d'apprendre, de permettre aux gens de comprendre au fur et à mesure où est leur intérêt, dans quel sens ça va ». C'est une organisation. Ce « en même temps », c'est vraiment le slogan de l'inaction. C'est durer pour durer. Enfin, c'est vraiment, c'est plus seulement, pas seulement durer, c'est aussi se faire aimer.
Je pense que là, il y a vraiment un péché terrible, un péché de narcissisme terrible, très invalidant pour un dirigeant. Le dirigeant est précisément celui qui est capable de se faire aimer sans avoir besoin d'être aimé. Et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a un besoin absolument maladif d'être aimé et qui, en plus, n'y parvient pas. Enfin, dernière question, Guillaume Bigot. Donc, je le disais, nous sommes dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles. Donc, je vais vous demander de ne pas vous défiler. Vous, à titre personnel, je l'ai rappelé en introduction, tout au long de cette émission, on l'a bien vu, vous êtes souverainiste, hein, vous le revendiquez. À titre personnel, vous avez voté pour Marine Le Pen ? Écoutez, je pense que pas une seule voix ne doit aller à Emmanuel Macron, pas une seule voix ne doit aller dans ce projet funeste qui consiste à déplacer le pouvoir de Paris à Bruxelles. Ça fait maintenant 1000 ans que le pouvoir est à Paris. Et en plus, si on veut maintenir la démocratie vivante, il faut absolument rester un État-nation démocratique, c'est vital. On peut aimer ou pas Marine Le Pen. En l'occurrence, quand on reste dans le cadre d'un État-nation démocratique et qu'on se trompe de dirigeant, on peut changer. Quand vous déplacez le pouvoir à un échelon qui en plus n'est plus démocratique, il faut bien que les gens réalisent qu'il y a un effet cliquet. Et je profite pour passer un message, ne vous laissez pas abuser par ce terme de républicain. Vous savez, le camp, les valeurs de la République, c'est une antiphrase. En fait, la République est cohérente avec la démocratie. Donc l'idée de la souveraineté européenne, c'est anti-républicain. Tous les gens qui se réclament des valeurs républicaines sont des adversaires acharnés, farouches, de la République. Ce sont des gens qui font des trous dans la coque de la République pour que demain, vous puissiez. De toute façon, votre vote ne compte plus. Vous allez voter pour des gens qui ensuite vont voter entre eux au Conseil européen, ou vous allez voter très mal voter dans un Parlement européen parce qu'il n'y a pas de majorité de minorité à l'échelle de l'Europe, il n'y a pas d'affectio societatis, il n'y a pas de peuple européen. Donc, effectivement, si vous êtes attaché à la République, si vous êtes attaché à la démocratie, faites votre devoir et surtout que pas une seule voix n'aille à Emmanuel Macron. C'est-à-dire vous voterez Marine Le Pen, donc, c'est ça ? Je ne voterai pas Emmanuel Macron. En tout cas, c'est clair. Oui, pardon, Eric, pardon. Il y a quand même une morale en politique. Il y a une morale dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie morale en politique, c'est pas de choisir le bien. La vraie morale en politique, c'est choisir le moindre mal. Donc, pour répondre à votre question… – Le vote utile, quoi. – Voilà, exactement. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume Bigot, d'avoir accepté notre invitation donc, dans l'entre-deux-tours donc, de cette émission. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous dans très peu de temps pour une nouvelle émission, toujours dans le cadre de ces spéciales avant ce second tour donc, qui promet bien des surprises. Merci beaucoup à tous, très bonne soirée et je ne cesse de le répéter, restez incorrectibles. Bye bye.